Recueillir les préoccupations liées à la gestion du budget 2022 et se mettre au diapason des instructions des nouvelles autorités dans le cadre de l'exécution du budget, tel est le menu de la rencontre entre les acteurs de la chaîne de la dépense publique tenue le vendredi dernier à Ouagadougou. Il a donc été question d'harmoniser les compréhensions pour accompagner les secrétaires généraux des ministères et institutions chargés de l'expédition des affaires courantes. Bernard Kambilem et Tanga Kafando. Les acteurs de la chaîne des dépenses publiques se concertent sous l'égide du ministère de l'Économie et des Finances. L'objectif est de se donner une compréhension commune des orientations des nouvelles autorités pour la mise en œuvre des instructions dans le cadre de l'exécution du budget 2022. Il s'agit en fait, en sus de l'habilitation, il y a deux circulaires qui ont été prises par le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances. Et ces deux circulaires portent respectivement sur les orientations pour la gestion budgétaire et également la clôture du budget. Donc il s'agit pour nous, au cours de cette rencontre-là, de partager avec tous les acteurs une compréhension commune, une bonne assimilation des différentes orientations qui ont été données dans ces documents pour une bonne exécution du budget pour le reste de l'année. Et ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans le respect des règles et procédures en vigueur. En attendant un nouveau gouvernement, les secrétaires généraux sont faits ordonnateurs du budget et les agents de la chaîne des dépenses publiques entendent les accompagner dans la dynamique d'aller vite et bien.